gagner le soutien des tribus irakiennes sunnites, un élément essentiel pour lutter contre l'organisation État islamique. Le gouvernement irakien l'a bien compris et a autorisé l'entraînement et l'armement de milliers d'hommes sunnites ces derniers jours. Des renforts auxquels vont s'ajouter ces prochaines semaines 1500 soldats américains mobilisés pour conseiller les forces locales. Je pense qu'avant la fin de l'année, vous allez voir une présence beaucoup plus forte, pas seulement américaine, mais aussi de nos partenaires de coalition en Irak. Sur le terrain, un important chef djihadiste, le responsable de l'EI dans la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak, aurait été tué lors d'une frappe aérienne ce jeudi. Les membres de l'organisation terroriste continuent leur recrutement. D'ailleurs, en France, une enquête a été ouverte sur une vidéo dans laquelle trois combattants du groupe État islamique appellent en français les musulmans de France à rejoindre leur rang.